Les 150 € offerts, c'est comme je t'ai dit en fait. Si, en gros, c'est une sûreté. Si tu perds en gros ton pari, c'est ça que je te dis. En Ceux qui gros, veulent le c'est coffre, c'est dans le bâtiment à côté soit de tu Wolf doubles là-bas. ta mise, À côté en gros, de enfin, soit Wolf? tu arrives Ouais, à viens. récupérer Là où il y a Gragas. en gagnant, Attends, je viens. soit tu perds mais tu récupères les Comment j'ai fait 150 euros. des armes? Mais en free bit. Donc là, je crois que tu te l'es fumé. Bah. Je suis pas sûr, mais. Nous sommes. C'est où Mika? Là où il y a Non, Rasta. Non, non, là-bas, là-bas, là-bas. Là. Ah, j'ai une PM. Oh, T'as quoi? cool, T'as combien de rouge. points? Vous allez voir, mais je crois que je les ai pris tous les trois moi, cette semaine. Ah, Là. de combien? Ici, Devant? escroc, là où je suis. Derrière. Ouais, donc t'as mis 20 boules. Oui, ça, j'ai pris les trois. J'ai eu un mode. Au fond, derrière le cercueil. Ok. Même pas un match? Non. Ah, t'aurais dû me dire, je t'aurais dû pas le prendre. Mais il l'a pas fait en fait, ouais, mais non, encore. C'est pas grave, je savais. Moi, ce que j'ai fait pour le premier, j'ai attendu de faire une étape pour gagner quelque chose. Et pas... Moi, j'ai relooté la PM. Oh, avec le cercle rouge. Moi d'abord. Putain, la puissance. Oh là 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 là. Tu es avec quoi, l'homme puissant? La stase. Hein? Non, il parle du synapsis là. Ouais, ah. Tiens, t'as défoncé 3 mecs d'affilée sans recharger. Je crois qu'on peut, je sais pas si on peut le refaire celui-là. Si. Ah, si, on passe 5. Ah, j'ai pas pu prendre le dernier là de mon côté. Moi je l'ai chopé direct en bas. Il y en a un au fond là-bas, j'ai pas pu l'attraper. J'en avais déjà 3. Ouais, mais après t'avais peur t'améliorer, quoi. Ah, ouais. Oh, les bâtards. Vous me demandez pourquoi j'avance aussi vite? Qui me pousse en avant, moi? Bonjour. C'est quoi fait Mita? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu as des putains de mobs avec une grosse grenade de merde. Vas-y. Non mais vas-y Axel, reviens là. Ah c'est bien, ils ont nerfé les défis de bandits de merde. L'échec glisse et faire ses kills. De l'autre côté. Son passeport. Il est en titane. La moi d'abord. Ok. Toucher la porte. Oh, il a feu. Non. La comète. Ouais, je vais pouvoir aller dans avec mon passeport. T'imagines, ça te tape le cristal là-bas. Oh shit. Bon, voilà, tac, du coup, mit. C'est la matmite. C'est pas con ça. Salut Rasta, va te faire foutre, bâtard. Nique-toi, espèce de petite pédale. Voilà. Avant de prendre la bannière, écoutez ce qu'il y a à faire sans mot, vous avisez les armes. Oh.
Arrête de faire genre, après tout le monde va croire que j'ai rien foutu du raid alors qu'en vrai c'est pas du tout ça. Bah mise pour les verres. Non arrête. Oui. Oui. Moi je vais prendre Mispo, histoire de s'armonner là qui est en train de faire. Parce que Rasta c'est qui gère la fougue. Yep. Rasta il y a le niveau. Ouais. Oh. Et du coup bah je vais t'expliquer, c'est pro. Tu vas être avec bah je sais pas qui. Tu sais, au choix, c'est soit tu vas avec Mika, tu vas avec Paul. Ok. Alors, en gros. Toi, en gros, Scro, tu vas faire des odeurs en fait. On va faire ici. De ce côté, on va être. À l'opposé, Rasta, tu dois. Ah, je vais avec Wolf. Ouais, je vais faire le run. Ok, pardon. Oui. Excusez-moi. Tu veux démober ou tu veux faire le run? Non, ouais, je vais démober. Tu connais un peu les symboles, tu pourras mettre des bottes. Pardon. Laisse parler du Draga. Excuse-moi. Je vois si Spro il est lent. Ah si, alors, viens. Alors, toi en gros, ton but c'est de démobiler. En gros, tu vas être ici, tu vas devoir tout démobiler les bottes qui arrivent. Et au bout d'un moment, tu vas avoir. Il y a une chance que tu aies un corrompu allé à battre. En fait, le corrompu, nous, il nous permet d'avoir un symbole sécaire, en gros, ici, juste au milieu. Et en gros, pour savoir où il va pop, en gros, le premier symbole qui va s'afficher ici, ça sera soit lune, soit triangle. En gros, ça va nous indiquer de quel côté il va pop. Oui. Là, si tu te retournes, tu vois que là, alors, sur les deux piliers, au milieu, Mute-le. Vite, tu sais qu'ils sont pas dans le raid, comme ça au moins tout le monde est là-dessus. Mais je crois qu'il m'a muté ce con. Ah ouais, j'étais avec un groupe tout à l'heure. C'est bon. Genre on finit, je fais bon, salut les mecs. Et alors là, y a quelqu'un qui dit on n'est pas que des mecs ici. Alors la nana, elle avait pas parlé. Je vais pas parler. Elle avait pas parlé. Elle avait pas parlé. De tout le truc. Encore une putain de fille. Alors du coup, je vais déjà t'expliquer en gros à lire l'obélisque, parce qu'en gros tu vas, il y a des moments où raconté, tu vas c'est la journée de la femme, Mika, cette semaine pour les autres. Donc, en gros, ça, au boulot, c'est le moniteur. Il y a des assistantes commerciales qui se barrent des filles, et on arrive à la porte de sortie en même temps, tu vois. Et je la vois attendre devant la porte, je la regarde, je fais tu fais quoi? Elle dit bah j'attends que tout. Je fais bah c'est la journée de la femme, bougez-vous pas, vous avez voulu l'égalité. Et après, derrière toi, là, t'as l'obélisque. Elles sont parties vénères, mon gars. Donc ça, en gros, toute l'étape, en fait, elle va consister à remplir celui-là, en gros. Donc là, toi, t'as pas à t'en occuper de celui-là, t'as juste à t'occuper de celui-ci. Alors, en gros, lui, si autant... Le premier symbole, là, ici, il nous permet d'identifier où va spawn le connecté. En gros, il y a trois endroits. Tu vois, il y a trois moniteurs. Donc en gros, ça se peut que ça soit toi qui l'ait en premier, ça se peut que ça soit Rasta qui l'ait en premier, ça se peut que ça soit Mispo qui l'ait en premier. Donc ça va vraiment être au fur et à mesure. Gros, par exemple, on va dire ça pop chez Rasta. Rasta, il va dire si c'est soit l'une dans le micro d'accès. Donc en gros, l'une ça correspond par rapport à ce qui est derrière toi. Tu vois là-bas, t'as l'une, là t'as triangle. Donc en gros, tu sais pas à partir de ton pilier, tu sépares la salle en deux, et tout ce qui est côté lune, c'est ce qui est côté Rasta, tout ce qui est côté triangle, c'est côté Mispo. Mais en gros, toi, t'es à un endroit, en gros, on va dire que c'est la jonction de la route. Donc en gros, si Mispo dit qu'il l'a pas chez lui, et que c'est en triangle, ça veut dire qu'il sera chez toi. Donc ici, je sais pas où spawn le corrompu. Pourquoi? Mika, il te la dira. Non, pas du tout. En fait, tu sais, c'est... Et du coup... Du coup, le but, c'est d'éliminer le plus rapidement le corrompu. Dès que vous avez buté, ça va donner le symbole qui est juste en dessous. Donc en gros, quand Rasta il va dire par exemple triangle, si c'est toi qui on dit que ça spawn chez toi, tu vas le buter, lui ça va lui découvrir le symbole qui est chez lui.
Après, dès qu'il est buté, sur une autre stèle, il va y avoir un autre corrompu qui va spawn. Donc ça sera soit toi, soit Mispo. Donc faut toujours regarder. En gros, tu dois communiquer avec les autres. Voilà. Tout le monde, ça sera celle d'en haut. Mais c'est juste que, en gros, les corrompus, ils vont arriver, tu sais, de pilote. Donc tant qu'il est chez quelqu'un et qu'il est pas buté, il va pas arriver chez toi. Putain, j'ai fait l'amour à leur fesse là. Mais après ça veut pas dire que ça va arriver forcément chez toi juste après. Tu vois, ça peut arriver chez Mispo, ou sinon ça peut être même toi qui commence en gros avec le courant. Parce que moi ça s'allume en premier, ça s'allume. Non, les, si, les si,